Alexandrie, Alexandra, sous les tirs de Maisonac, tu finiras. Oh yeah! Fire! Brûle, ville! Brûle sous les tirs de Maisonagre! Je vais balancer du poison sur les lignes ennemies! À l'attaque, putois! Wouhou! Empoisonnez-moi cette ville et tuez-moi ces éléphants! C'est pitoyable. Et j'aimerais bien défoncer ce mur. Toc, 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 s'il vous plaît, je veux rentrer. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Bonjour, nous sommes les généraux. Dans ce jeu, nous sommes chargés d'absolument rien foutre et de contrôler. Puisque si l'un de nous meurt, parmi tous mes gardes du corps, si le général meurt, en effet, toute l'armée est désorganisée. On perd les batailles quasi instantanément. On ne peut plus recruter d'hommes et ainsi, on ne peut plus attaquer de ville. Le général est important et c'est pour ça qu'en bataille, il est inutile. Vive Rome Total War 2. On a des tubes, on n'est pas des pauvres, mais on a tout ce qu'il nous faut. Allez les mecs, c'est parti. Passez à travers les murs, rien à foutre des palmiers, on passe au travers. Allez, oh la vache, putain, ces murs ils sont un peu hauts, c'est un peu le bordel. Il y a des catapultes partout, il y a du poison, des catapultes, des putois lancés à travers les murailles. Allez-y les mecs, passez par-dessus ces décombres, rien à péter de la ville, on va tous les défoncer. Vous vous croyez nombreux, bande de Gaulois, hein? Vous êtes des centaines, voire même des milliers à m'attendre. Mais que ferez-vous face au meilleur de l'empereur? La puissance romaine n'a pas d'égal. Vous ne pouvez pas vaincre l'empereur. La description de faire des dégâts par Gloglois 71, vous allez voir, c'est assez violent. Attention, vous prenez un caillou. Vous visez mieux que ça et normalement ça devrait passer sans souci. Oh tiens, ils ramènent un scorpion. Oh mon dieu, ils ont aussi des armes de siège. Les Gaulois ont des armes de siège. Oh la lol. BOOM! Multi-kill fatality. Oh yeah, bitch. BOOM! Oh, anti-cavalerie. Je balance des obus à 300 km. Anti-personnel. Oh la lol. Oh la lol. Rien faire, vous êtes que des nœuds. Moi je suis Gloglois 71, boum! Passe à ces tranchées de sang! Ah, je broie vos os avec la puissance mécanique des armes romaines. Vous ne pouvez survivre! Multi-kill! Charge de cavalerie sur des pauvres petits Gaulois sans défense. Allez les gars, défoncez-les! Ils sont combien? 66? Attention, et 5 secondes plus tard, les pronostics sont de seulement 50 et ce chiffre diminue à une vitesse hallucinante. Ils sont 20, 25, 19, waouh, 17, 14, 12, 12, hop, puis 0. D'accord, ça c'est fait. Vous aurez plus de Rome Total War 2 dans le futur, mais pour l'instant, il est temps de passer à quelque chose de plus traditionnel. We were fools. There's nothing we could have done. We're conquering all of Skyrim, blazing the human with fire and death. He calls himself Dorsnet Dorfakin. Oh bébé, mon orc favori, ne me tourne pas le dos ainsi. Sinon je vais être dans l'obligation de te tirer une flèche dans le cul. Boum. Bitch. Mon orc chéri, je vais te percer l'anus à coup de hache, bitch, please. Bonjour monsieur, tu connais le God Mode, ça fait qu'on prend pas de dégâts et qu'on a juste de la vie invincible. Tu vois, tu vas pouvoir t'énerver à taper comme ça en boucle, je n'aurai rien, tu vois. Oh my god, I'm a woman with a big dick. Hello. Bye. Oh merde, il a encore envie. Il a survécu. Il est mort. Bonjour. Au revoir. Hello. Goodbye. Ah, là je suis caché, ils ne peuvent pas me voir, hein, vous voyez, là je suis bien camouflé, je suis accroupi, donc ils ne me voient pas, je suis caché derrière trois grains de poussière qui volettent. Bande de biquettes. Oh là, j'ai tué ton copain, tu m'as pas remarqué, tu crois que je suis là-bas, hein. Bien le bonjour, comment ça va à vous? Au revoir.